Zéro faute. Zéro faute ou la joie de parler la langue de Molière. Zéro faute. Bonjour, je m'appelle Elhadj Mamadou Arb. Je suis en classe du 7e bleu au cours Sainte-Marie de Anne. Merci beaucoup, mon très cher grand Elhadj. J'imagine que vous êtes très content de nous accueillir au cours Sainte-Marie de Anne. Tout le plaisir est pour nous. Alors ce matin, un mot qui change de sens en fonction de la première lettre, ou bien de sa première lettre tout simplement. Oui, Eden, un majuscule accent aigu D-E-N. C'est un nom masculin, mais attention à la majuscule. Eden, un majuscule accent aigu D-E-N a le sens de paradis terrestre référencé dans la Bible. Avec une minuscule, un Eden est un lieu délicieux. Exemple, mon très cher Elhadj. Ce coin de campagne au cœur des îles du Saloum est un Eden. Oui, de petits paradis sur terre, mais écrit avec un E minuscule, alors retenons bien. Eden, un majuscule accent aigu D-E-N, c'est un nom masculin, mais attention à la majuscule. Avec la majuscule, Eden a le sens de paradis terrestre référencé dans la Bible. Avec une minuscule, Eden est un lieu délicieux. Petite curiosité avec son dérivé, Elhadj. Dérivé, édénique, c'est un adjectif avec accent aigu aussi sur le deuxième E. Bon à savoir, merci mon grand Elhadj. Merci, c'était Zéro Faute, le plaisir de la langue. Le plaisir de vous servir et d'être avec vous tous les matins dans Zéro Faute sur la radio Futur Média. Zéro Faute, le plaisir de la langue.